Un nouveau message avant de commencer cet épisode, pour remercier vraiment les auditeurs qui entendent nos appels et qui nous envoient des dons, et pour faire appel aux auditeurs qui écoutent nos podcasts, qui les apprécient, qui pourraient faire un don mais qui ne le font pas, soit parce qu'ils pensent le faire et qu'ils oublient, ou qu'ils pensent que d'autres le feront peut-être à leur place, ou encore pour d'autres raisons. L'habitude de la gratuité des contenus numériques est une mauvaise habitude, elle repose sur une illusion ou une tromperie, car il ne peut y avoir de contenu de qualité gratuit, et il est normal, quand on le peut, de contribuer à un service que l'on reçoit. Nous ne pouvons continuer sans vous, sans vos dons, même s'ils sont d'un montant modeste, parce que nous ne fixerons jamais un prix d'accès, et que ceux qui ne peuvent contribuer pourront toujours nous écouter grâce à l'effort de ceux qui le peuvent. Nous avons l'été à traverser, nous continuons de diffuser des podcasts spirituels et positifs, si importants peut-être au moment où nous vivons des temps troublés. Nos témoins répondent aux enjeux actuels, à votre tour, quand vous le pouvez, de nous aider à répondre à nos propres enjeux financiers. Nous comptons sur vous, votre don est défiscalisé, vous pouvez l'effectuer en allant sur tous nos supports où le lien Faire un don est facile à trouver. D'avance, un grand merci à vous. Bonjour, bienvenue à l'écoute de Bethesda, le podcast de la guérison et de la conversion. Ici, nos témoins vous racontent comment l'extraordinaire a bouleversé des vies ordinaires et comment le Christ, avec ses saints et les anges du ciel, est tout le temps à l'œuvre dans toutes les circonstances de la vie. Des femmes et des hommes comme chacun d'entre nous qui acceptent de raconter leur histoire en toute sincérité et simplicité. Bethesda, c'est deux fois par mois un nouvel épisode, un nouveau témoin, un nouvel éclat de la grâce et de l'action de Dieu qui est partout et qui ne demande qu'une chose que nous entrouvions notre porte pour être submergés d'amour. Bonjour, je m'appelle Olivier, j'ai 25 ans et je suis étudiant en licence de psychologie à Angers. Je vais vous raconter un petit peu mon parcours. Euh, alors, je suis l'aîné d'une fratrie de trois enfants. Euh, je suis né dans la banlieue grenobloise, à Saint-Martin-d'Aire. Euh, je viens d'une famille d'un milieu plutôt, plutôt aisé. Une famille non pratiquante. Mon père avait une croyance, euh, mais je ne pourrais pas dire que c'était une croyance chrétienne ou même m'affilier à une religion. C'était plutôt une, une croyance ou une foi ésotérique. Et c'est vrai que bah, j'ai pas été du tout éduqué euh, au niveau de, de la foi en Dieu. Et mes sœurs ont un petit peu fait de catéchisme, mais moi j'ai pas réussi à y aller, j'étais pas du tout à l'aise dans ces milieux-là. Donc j'ai pas du tout été proche de, de, de la foi ou de la religion chrétienne ou catholique. Et je pense le pouvoir dire aujourd'hui que ça, ça m'aurait peut-être évité, ou en tout cas ça m'aurait peut-être permis de, de de, de m'aider à trouver un sens plus rapidement. Euh, quand j'étais enfant, j'ai eu beaucoup de problèmes en fait euh, de mal-être intérieur. C'est-à-dire que depuis aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours été dans un mal-être immense quand j'étais enfant. Euh, dès l'âge de 7-8 ans, j'avais déjà des pensées noires, des, cette question-là de à quoi ça sert de vivre, quel est le, pourquoi, pourquoi je me lève le matin, quel est le sens de tout ça. J'avais un père qui était très dur euh, psychologiquement euh, avec moi, euh, qui était beaucoup dans, dans le rabaissement, dans parfois dans l'humiliation. Et c'est vrai que ça m'a ça m'a vraiment mis dans une espèce de victimisation constante, cette impression en fait que je ne pouvais pas être dans des dans des relations autrement que dans un rôle de victime. Donc ça, je peux le dire aujourd'hui, mais j'en avais pas conscience à ce moment-là. J'arrivais pas. À, pour moi, mon père, c'était, c'était mon dieu, c'était, c'était, c'était l'exemple à suivre. Donc ça devait être forcément de ma faute si, si ce que je faisais convenait pas, si ça lui, si ça lui plaisait pas, c'était forcément de ma faute. Donc j'arrivais pas à, à lui porter la responsabilité à ce moment-là de de, de, de ce mal-être là. Hum. À l'école, en primaire, euh, j'ai pas eu de problématiques. J'étais un enfant très sensible. J'étais, euh, alors j'étais pas le gars le plus populaire, mais j'étais, euh, voilà, j'étais un petit jeune qui avait quand même des, des potes, qui était, qui, où sa sensibilité n'était pas encore une, une problématique en soi. Mais dès la sixième, en fait, j'ai, voilà, j'ai un ami, euh, le seul ami que j'avais vraiment à ce moment-là qui était avec moi au collège, qui s'est mis en fait à me, à me rabaisser et surtout à, à complètement me laisser de côté et moi vu que j'étais très attaché aux relations amicales et pour moi euh, voilà, il n'y avait rien de plus important que l'amitié. En fait, je l'ai vécu comme une comme une confirmation en fait que, je, que mon rôle était le rôle de la victime ou en tout cas de celui qu'on comprend et qu'on délaisse. Et ça ça m'a marqué en fait au fer rouge parce que c'est comme si à ce moment-là, bah c'était collé sur moi l'étiquette de du boulet de celui qui, qui est en trop, celui que celui qui ne mérite pas d'être aimé. Et ça c'est une étiquette qui est très violente parce qu'elle est très dure enfin c'est très dur de se détacher de cette étiquette là. Moi donc en fait à la maison j'avais cette problématique là où je j'arrivais pas enfin euh, j'étais dans un rôle euh, bah, d'infériorité par rapport à mon père. Euh, j'avais une mère qui, avait qui a fait ce qu'elle a pu, mais du coup qui essayait de compenser ce que faisait mon enfin les comportements de mon père, donc était dans le surcouvage. Donc moi j'étais dans un truc où soit j'étais dans un rôle de victime, soit j'étais celui qui dépendait absolument affectivement de sa mère. Enfin donc j'étais dans un contexte où bah, à l'école j'étais pas bien, euh, à la maison j'étais pas bien. Heureusement j'avais mon club de tennis de table où là j'avais pas un rôle de victime. Là, je pouvais, en tout cas, extérioriser une part de ma colère euh, dans ce sport-là. Mais à l'école, ouais, ça a commencé donc, en sixième. Euh, donc, cette trahison, entre guillemets, de, de cet ami-là m'a plongé dans un rôle victimaire où toutes mes relations, quasiment, étaient basées sur, euh, sur, ouais, sur cette liaison-là ou ce lien-là entre victime-bourreau. Donc, en fait, j'obligeais, entre guillemets, les gens à se comporter avec moi comme, comme des bourreaux parce que moi, je me mettais toujours dans une position où j'allais. Euh, bah, me mettre en victime, me placer comme inférieur, me placer comme le boulet. Et donc, bah, forcément, en fait, quand on, on, on se place dans un rôle de victime, on attend des autres aussi qui jouent l'autre rôle, et qui est le rôle de bourreau. Il faut être deux dans ces relations-là. Et ça a commencé donc, avec cette trahison-là. Après, ça a été beaucoup de harcèlement, euh, de harcèlement moral, de harcèlement physique. Donc là, il y a, y a des, des, des jeunes qui ont vu euh, ma fragilité et qui ont appuyé dessus. Euh, des vols de mes affaires scolaires pour les jeter dans les, dans les toilettes, pour les jeter dans les poubelles. Donc, euh, l'école, c'est déjà simple pour personne, mais quand ça devient, en fait, un... Quand on y va avec la peur au ventre, la boule au ventre, avec cette sensation-là, en fait, je... c'est assez indescriptible, mais de honte absolue où on a l'impression de se liquéfier et de s'enfoncer dans le sol. C'est-à-dire qu'en fait, on, on est là et il suffit qu'il y en ait un qui nous appelle par un surnom dégradant et c'est comme si, en fait, on n'est on plus un être humain, on est un mur, quoi. On est... Euh... On, on disparaît quoi c'est cette sensation là elle est ouais, elle est traumatisante parce que elle, on est plus vivant en fait moi j'étais je n'étais pas vivant à ce moment là j'étais dans une sensation mortifère en fait ou de de dégoût de moi-même du dégoût de mon corps euh, et plus ça avançait plus les années avançaient et plus c'était en fait ça prenait de l'ampleur parce que plus ça se matérialisé par des phobies. J'ai eu une agoraphobie, c'est-à-dire que j'avais peur de la foule, donc j'avais peur de de, de passer dans les couloirs, donc il euh, fallait que j'aille dans les salles de classe euh, par des chemins de traverse, qu'il fallait surtout pas que rentre en même temps que les autres. Euh, j'avais peur d'aller dans les grandes villes parce qu'il y avait du monde. En fait, à chaque fois que je passais dans un endroit, suffisait qu'il y ait quelqu'un qui rigole quelque part pour que je sois intimement convaincu que c'était que c'était de moi, euh, c'était moi le la raison de son son hilarité. Donc, ça, c'était vraiment le collège. Ça a été une période extrêmement violente, mais j'ai eu cette croyance-là que bah, la fin du collège allait euh, marquer la fin de, de mon harcèlement. Que voilà, on allait aller au lycée, que les personnes allaient changer, et qu'en changeant les personnes, bah ça allait. Euh, bah voilà, j'allais pouvoir avoir un autre rôle. Sauf que ce que je n'avais pas compris, et je l'ai compris bien plus tard, c'est que tant qu'on ne change pas le regard qu'on a sur soi-même, le regard des autres ne change pas. Parce qu'en fait, on perçoit. Euh, au travers du regard des autres, notre propre regard, celui qu'on porte sur nous-mêmes. Et donc ça, voilà, les classes ont changé, le, les personnes ont changé, mais je, je retombais dans des relations de harcèlement. Et la seconde a été l'année la, la plus dure pour moi, parce que c'était plus du harcèlement physique, mais en fait j'ai perdu la seule chose qui me restait en fait dans, dans ma dignité, c'est-à-dire mon identité. J'ai perdu mon nom et mon prénom, c'est-à-dire que pendant un an, il n'y a plus personne qui m'appelait par mon nom et mon prénom. Tout le monde m'appelait Goulu. Euh, Goulu, c'est quelqu'un qui mange avec avidité, c'est quelqu'un qui mange trop. Et moi, à ce moment-là, j'ai des problèmes de surpoids. Parce que vu que j'arrivais pas à gérer mes émotions, que ce que je vivais était très violent, bah, je, je me faisais péter le bide, en fait. Je, je, je mangeais à ne plus en pouvoir parce que ça en fait. Ça me permettait, ouais, d'avaler mes émotions et surtout de ne plus penser. C'est-à-dire que quand on a mal au bide, ben, on, on, on réfléchit plus. On peut plus penser à son mal-être. Enfin, on est tellement concentré sur, sur ce qui se passe dans notre ventre. Et moi, je pense que j'avais besoin de ça, en fait, d'oublier ce que, ce que je vivais. Et ouais, pendant un an, personne m'a appelé par mon nom et mon prénom quasiment dans ma classe, pendant les heures de classe. Et ça, ça a été d'une violence inouïe parce que j'ai eu encore plus l'impression d'être déshumanisé. Et c'est une sensation qui est qui est non seulement violente, mais qui, en fait, qui génère, en fait, en soi, une impression de, de ne plus être un être humain. En fait, j'ai l'impression que si on ne m'appelait pas par un prénom, comme tous les autres êtres humains, c'est que j'étais pas digne d'être un être humain, que j'étais pas digne d'être, d'être en vie, d'être ici. Donc là, ça a été, euh, bah, le début d'un, autre cauchemar. Parce que du coup, là, c'était vraiment une, c'était plus, je voulais plus du tout vivre. Là, en fait, ce pas que je voulais plus vivre parce que je pas la vie, mais c'est parce qu'en fait, je voulais plus souffrir. C'était plus, plus tenable pour moi. Et vu que je n'arrivais pas à en parler à mes parents, parce que j'avais l'impression que ça allait leur rajouter de la souffrance, mes deux parents ont eu des enfances très, 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 très difficiles, des vécus extrêmement compliqués, euh, mon père aussi. Et dans ma tête, je pense que j'ai essayé de porter le fardeau de mes parents en plus du mien, c'est-à-dire de me dire, je ne vais pas leur rajouter ça. Euh, ils ont déjà suffisamment à gérer. Et donc, en fait, bah, ils ont... Ils ont jamais su, en fait, euh, pour ce harcèlement scolaire. Ils l'ont appris euh, quand j'avais 23 ans. Donc, en fait, je suis resté avec ça tout seul. C'est-à-dire que j'avais à ce moment-là, les seuls copains que j'avais, c'était le tennis de table et je leur parlais pas de ça. Parce que je me disais, si je ramène le harcèlement scolaire là, en fait, bah, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont pas à un moment donné? Et donc, en fait, bah, personne n'était au courant. Donc, j'ai terminé le lycée de très compliqué. Alors la terminale c'est mieux passé. J'étais moins dans des situations de harcèlement, mais le mal-être était, était toujours là. Et après j'ai fait un UT euh, technique de commercialisation parce que je savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. Pour moi j'étais pas dans, du tout dans une optique de, de projet d'avenir. Pour moi c'est en fait l'avenir ça, ça n'existait pas. En fait c'était comment tenir la journée qui vient après. Donc euh, quand on venait me dire mais quel est ton projet professionnel, ton projet d'avenir, euh, moi n'étais pas là dedans. Moi j'étais juste comment je tiens. Euh, les jours qui vont venir. Donc, euh, c'est très compliqué déjà pour quelqu'un de trouver son orientation. Mais alors en plus, quand l'obsession c'est comment je tiens en vie encore euh, encore quelques heures, encore quelques jours, c'est impossible d'avoir un projet qui se, qui se met en forme. Euh, donc euh, moi, je, quand on m'a demandé ce que je voulais faire, j'ai dit que je voulais du relationnel. Euh, voilà, j'avais pas pas tellement d'envie. Donc on a regardé mes notes, et on m'a dit bon bah ça peut être pas mal que tu ailles faire du commerce. Très bonne idée. <laughs> donc, euh, on m'a envoyé là-bas et je me suis vite rendu compte que c'était pas de ce relationnel-là que je voulais. La technique de commercialisation, c'est vraiment une école pour être commercial. Donc, on est vraiment sur du relationnel qui n'est pas le relationnel comme moi je pouvais l'imaginer. Et euh, j'ai fait quand même les deux ans parce que je savais tellement pas ce que je voulais faire que je me disais, euh, il faut même que je fasse quelque chose. Donc, j'ai fait ces deux ans-là, mais ça a, été, ça a été très dur. Donc, il n'y avait plus de harcèlement. Parce que je pense qu'à partir d'un certain âge, ce plaisir-là du harcèlement euh, n'est plus présent. Mais j'étais toujours dans un mal immense, cest c'est-à-dire que j'étais incapable de créer des relations avec les gens de ma classe. J'avais peur du regard des, des, des autres. Euh, je passais la moitié de... de... à chaque fois qu'en fait j'avais un un gars avec qui je traînais à ce moment-là, et dès qu'il n'était pas là, bah, je m'enfermais dans les toilettes parce que j'avais trop peur qu'on me voit tout seul, en fait. Donc, euh, le harcèlement n'était plus là, mais moi, j'étais encore dans un état, en fait, d'hypervigilance. C'est vraiment ça, c'est ce mot-là, d'hypervigilance, où, en fait, bah, j'étais à l'affût bah, de la moindre chose, du moindre signe. J'essayais d'éviter toute situation où, où j'allais pouvoir être déstabilisé. Des... Enfin, donc, c'était quand même des années qui étaient encore très dures. Euh, donc, j'ai fait cette IUT-là, et en fait, à la toute fin, donc euh, à la fin des deux ans, euh, je venais d'obtenir mon diplôme, et euh, j'ai eu un accident de voiture en montagne. Donc, avec euh, deux personnes avec qui je, je passais un peu de temps euh, à ce moment-là. En fait, on est descendu euh, de la montagne et en voiture. et son, le, Un de mes deux amis là, voulait euh, nous montrer euh, les capacités de son, de son nouveau bolide. Et euh, en fait, bah, il a roulé à 60-70 km/h sur une route de montagne à 2 h du matin. Et ce qui devait arriver arriva. On est tombé dans un ravin. Euh, et connaissant euh, la raideur et la. Dangerosité de se rendre là, euh, en, en fait, à partir du moment où on a vu la route qui s'arrêtait devant nous, euh, à ce moment-là, en fait, je, je savais que la fin était là. Donc, on a, la voiture commence à tomber, et là, c'est assez inexplicable. Ça a dû durer, je pense, quelques millièmes de secondes, mais j'ai l'impression que ça a duré, je ne sais pas, 30 minutes, 40 minutes, une heure. c'était Le temps était suspendu, complètement suspendu. Et surtout, on pourrait se dire, tu as dû avoir peur. En fait, j'étais dans un état de en fait, je n'avais jamais été aussi bien de ma vie. Vraiment, c'était euh... j'étais dans un comme sur un nuage. C'est-à-dire que pour moi, c'était j'avais tellement voulu mourir que là, je me disais enfin, la mort vient à moi. C'est pas moi qui vais aller vers elle, c'est elle qui vient à moi. Et pour moi, c'était une sensation de de libération. En fait, je me sentais libéré, libéré de ce cette vie qu'on m'avait injustement imposée, libérée de ce corps que je n'étais jamais parvenu à accepter. Et donc j'étais dans cet état-là de. Ouais, cet état second, mais tellement agréable. J'avais l'impression comme s'il y avait des, des portes-là qui s'ouvraient devant moi, comme s'il y avait l'accès à un autre monde, à un autre univers, comme s'il y avait quelque chose-là qui, qui allait se passer. Et en fait, je ne sais pas l'expliquer, mais c'est comme si à un moment j'ai entendu une voix étrangère, mais en fait, pas vraiment étrangère, qui venait de l'extérieur, mais qui était la mienne, et qui me disait « Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ?» Et en fait, là, bah, état euh, de blocage, et là, je reprends conscience de ce qui se passe, les portes qui semblaient s'ouvrir se referment, et là, je reprends conscience, et là, bah, c'est le, le chaos, et là, trou noir. Et quand je rouvre les yeux, on est au fond du ravin, bloqué par un arbre, les vitres complètement euh, explosées, la portière défoncée. Et je sors de la voiture, je pose le pied par terre, et là c'est comme si euh, cette vie que j'avais toujours vue comme un fardeau était en fait un cadeau magnifique que j'avais encore jamais déballé. C'est-à-dire que c'était comme si. Euh, comme si en fait il y avait un déclic qui s'était passé, et que je m'étais rendu compte que j'avais passé mon temps à, 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 à me dire que la vie était injuste, que que tous les problèmes venaient de l'extérieur, mais à aucun moment je m'étais dit mais, mais moi qu'est-ce que j'ai fait en fait qu'est-ce que j'ai fait pour pour que ça aille mieux qu'est-ce que j'ai fait pour pour m'aimer et cette phrase mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie en fait elle m'a permis de passer de du rôle de spectateur au rôle d'acteur de ma vie c'est-à-dire de me dire euh, voilà tout ne va pas changer du jour au lendemain mais en fait tant que moi je pose pas des pas pour construire un nouvel édifice de, de mon rapport à moi-même je je en fait je ne peux rien attendre des autres, parce que ça ne changera pas. Et donc ça a été, ouais, je pense, pouvoir le dire aujourd'hui, ma première expérience révélatrice, le premier moment où je me suis dit, mais il y a quelque chose au-dessus. Je ne sais pas ce que c'est, je ne veux pas mettre de mots dessus, mais il y a un truc là, c'est tellement inexplicable, tellement irrationnel comme sensation. Du coup, il euh, n'y a eu aucun blessé. Donc c'est vraiment un, bah, un vrai miracle. C'est-à-dire qu'on était trois. Euh, la quatrième place euh, à l'arrière était complètement défoncée. Donc, je pense que si j'avais été à cette place-là, on serais pas sorti indemne. Mais la robustesse de la voiture, le fait qu'elle était neuve, a permis de vraiment encaisser les chocs. Mais quand on voit les photos, quand je revois les photos, c'est un miracle. Quoi. Vraiment, c'est un miracle. Euh, j'ai juste un ami qui a eu un petit déplacement du bassin, mais par rapport à ce qu'on a vécu, c'est rien du tout. Euh, et euh, une fois n'est pas coutume, bah, j'ai encore gardé ça pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, j'en ai pas parlé à ma famille, j'en ai pas parlé à mes amis du tennis de table et tout et tout. En fait, j'ai encore gardé ça pour moi en me disant, mais. Parce que ma crainte, c'était si je dis ça à ma mère, euh, elle me laissera plus jamais sortir. Pourtant, j'avais 20 ans. Mais ma mère était très angoissée par rapport à beaucoup de choses. Et dans ma tête, c'était si je lui annonce ah que j'ai vécu ça, elle va plus jamais dormir à chaque fois que je sortirai, quoi. Donc, je m'étais dit, je garde ça pour moi, il ne faut pas que je le dise. Et. Euh... Dans ma tête, en fait, c'est comme si mon objectif ultime c'était d'arriver à, à être épanoui, d'être heureux. En fait, souvent les gens me disent mais c'est vers quoi être heureux Et moi je dis être heureux c'est d'avoir envie de se lever le matin. C est, c est, pour moi c'est ça la définition du bonheur, c'est d'avoir envie de se lever le matin. Parce que quand on a passé la plupart de sa vie en fait à tous les matins se dire mais je ne veux pas vivre cette journée qui arrive. Euh, le bonheur, c'est vraiment ça, c'est d'arriver à se, se libérer de ce poids-là. Et euh, cet objectif-là, je l'ai rapidement vu comme un but à atteindre après un long escalier, en fait. Et c'est comme si cet escalier-là, il fallait le faire marche par marche, et que c'est pas, j'avais pas accédé à ce but-là en un coup. Et qu'il fallait que j'aille petit à petit et surtout que j'arrive à être fier pour chaque marche réalisée, pour chaque pas réalisé, que ça allait être long. J'avais conscience à ce moment-là que j'entamais un chemin qui allait être bah, long, sinueux, euh, pas évident. Mais en fait, pour moi, c'était tellement plus possible de vivre comme je l'avais vécu avant que j'étais prêt, en fait, à, à prendre ce pari-là, ce risque-là. Donc j'ai changé radicalement mon hygiène de vie, c'est-à-dire que je me quasiment du jour au lendemain j'ai arrêté de manger des tacos, des burgers, enfin tout toute la malbouffe en fait qui faisait que bah, bah j'étais pas bien dans mon corps. Je me suis mis à nager quasiment tous les deux jours, donc j'ai changé complètement de, de physionomie. Donc, ça m'a permis en fait de rapidement porter un autre regard sur mon corps. Je me suis mis à petit à petit aimer mon corps. Euh à réussir à me voir dans le miroir, alors qu'avant, c'était, pour moi, la pire expérience possible, c'était, je, je me dégoûtais, en fait, je me regardais dans le miroir, j'avais une sensation de dégoût, une envie de vomir, et là, petit à petit, j'arrivais à porter un autre regard sur moi-même, donc, euh, au fur et à mesure, bah, j'avais l'impression que les autres portaient un autre regard sur moi-même, mais c'est simplement mon regard qui changeait, et ça m'a permis, bah, petit à petit, d'arriver, de, par des petits pas, à porter un, cet autre regard, un regard plus bienveillant sur moi-même, je vais pas dire euh, m'aimer, parce que c'est c'est quelque chose qu qui prend toute une vie, mais en tout cas apporter un autre regard sur moi-même, et ça m'a permis aussi de de, de prendre ce risque-là, de me dire il faut que je change d'orientation, je peux pas continuer dans ces domaines-là, ça me convient pas. Moi, j'avais déjà à ce moment-là des valeurs sur l'écologie, sur la justice sociale, mais que j'arrivais pas à mettre en application. Donc dès cet accident-là, je me suis. Dit, il faut que j'arrive à être plus cohérent, c'est-à-dire que je me suis mis à réduire drastiquement ma consommation de viande, parce que j'étais pour la protection des animaux et pour le bien-être animal, mais en même temps je mangeais de la viande trois fois par jour, donc il y avait une espèce d'incohérence. Donc j'ai drastiquement baissé la viande jusqu'à devenir végétarien. Je me suis mis à ne plus accepter certains propos de, de des gens que, qui m'entouraient sur les femmes, sur sur les homosexuels, sur, en, en me disant il faut que je sois cohérent et que je voilà, que je, que je sois intransigeant sur certaines convictions. Et euh, donc, j'ai changé d'orientation. Je suis allé dans la qualité, sécurité environnement grâce à une super conseillère d'orientation qui m'a dit qu « Il faut que, que tu ailles dans des domaines où tu pourras être beaucoup plus dans du sens. » Donc, ça m'a énormément plu au niveau de la licence. C'est une licence qui a pour objectif de former des personnes en bac plus 3, euh, sur les métiers euh, de la protection du personnel et de l'environnement d'entreprise. En donc, en, on, la, dans la théorie, ça m'a énormément plu. Dans la pratique, j'ai été dans une entreprise où la question de, du bien-être des salariés et de la protection de l'environnement, euh, c'était uniquement un moyen marketing euh, de faire de l'argent. Donc, euh, ça m'a pas convenu. Donc, j'ai fait quand même cette année-là. J'ai obtenu mon bac plus 3. Et après ça, je me suis dit, il faut, faut que je me trouve. Il faut que je me trouve au niveau, euh, au niveau du sens dans ma tête. C'était une évidence qu'en fait, je il fallait que je que j'aille me confronter à, à des réalités qui étaient différentes de la mienne et euh, c'était comme une évidence de me dire il faut que j'arrive à ressentir et à comprendre la réalité d'autres personnes et je me suis lancé dans le bénévolat au resto du cœur pendant trois mois et demi et ça a été en fait un déclic immense parce que moi, je viens d'un milieu quand même très aisé, dans une banlieue aisée. Donc j'avais toujours été entouré de gens bah, qui avaient de l'argent, qui n'avaient pas des problématiques matérielles, pas des problématiques financières. Et je me sentais pas à l'aise dans ces milieux-là parce que je m'étais toujours senti extrêmement coupable d'avoir cette chance-là et de ne pas être heureux alors qu'il y avait plein de, de, de personnes qui n'avaient pas d'argent. Qui avaient... Et dans ma tête, c'était une culpabilité. Et en fait, j'ai compris au reste du cœur que la culpabilité, ça ne sert à rien. La culpabilité, c'est quelque chose qui nous, qui nous aliène. Euh, la seule chose qui peut être utile, c'est l'empathie. L'empathie, ça nous permet de comprendre ce que vit l'autre, pour essayer de l'aider, pour essayer de lui, bah, lui tendre la main, en tout cas de porter un regard sur lui bienveillant. Alors que la culpabilité, ça nous plonge juste dans un mal-être nous, mais ça ne nous permet pas de nous ouvrir à l'autre. Et au reste du cas, je fais des rencontres incroyables de migrants qui avaient vécu des choses que que peu de gens ont vécu dans leur vie et qui arrivent malgré tout à continuer à croire des personnes surtout euh, confession musulmane et moi j'étais impressionné en fait par ces, par ces personnes là qui avaient vécu des qui avaient été esclaves en Libye qui avaient vu des personnes mourir sur des radeaux de fortune qui avaient été euh, sans abri qui avaient vécu des choses monstrueuses et qui arrivaient à dire bah si, si moi je suis malheureux bah à quoi ça sert que les autres enfin euh, soient morts c'est moi il faut, que je, il faut que je me batte et il faut que je sois heureux de vivre Allah me protège et des gens qui faisaient cinq prières par jour, qui, alors que, euh, il leur arrivait que des choses difficiles, et ils arrivaient à continuer à croire. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, mais c'est incroyable ce que, ce que ces personnes-là arrivent à, à trouver comme énergie grâce à leur foi. C'est pour ça que je suis aussi très, très touché, en fait, par, par, par les personnes de confession musulmane, parce qu'il y, y a cette, cette volonté-là, en fait, de d'être dans la pratique, d'être euh, moi j'ai été très touché en tout cas par ces, par ces personnes là et ces personnes, les personnes que j'avais rencontrées m'ont vraiment bouleversé, m'ont permis de regarder le monde avec d'autres ornières de, de me dire bah je, je peux moi aussi donner du sens à ma vie en étant dans l'engagement, en étant dans, dans cette question du sens, du relationnel, de l'éthique. Et euh, ouais ce bénévolat là m'a permis en fait de me dire il faut que j'arrive à trouver un métier avec de l'éthique, du relationnel et du sens. Et euh, j'ai fait une école qui s'appelle Life Europe à Angers qui m'a permis, en fait, euh, donc c'est une formation de six mois qui permet, en fait, à des jeunes qui ne savent pas trop où ils en sont au niveau de l'orientation, d'arriver euh, bah, en fait, à, par des expériences, par des ateliers, à trouver en eux ce qui les anime et ce qui peut, ce qui peut leur permettre de, 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 de trouver un métier qui leur corresponde. Et cette école-là m'a permis de d'aller dans les quartiers nord de Marseille m'a permis de rencontrer des personnes au profil radicalement différent du mien mais de, de poser un autre regard sur l'autre d'arriver à, à, à me dire si l'autre ne fonctionne pas comme moi c'est pas c'est pas contre moi c'est parce qu'il a un autre vécu qu'il a une autre histoire qu'il a qu'il a une singularité et que cette singularité fait qu'on n'a pas le même fonctionnement mais ça ne veut pas dire que son fonctionnement est moins bien que le mien au contraire c'est un enrichissement que d'être au contact de l'autre qui pense différemment, différemment de moi et grâce à cette école, j'ai compris que qu'un des seuls métiers qui pouvaient allier le sens, l'éthique et le relationnel, c'était les métiers de l'accompagnement. Et euh, je me suis lancé, du coup, dans une réorientation, et je suis reparti en L1 de psychologie. Et donc là, ça fait trois ans que je suis en licence de psycho, et ça me passionne. Je n'ai aucun regret sur cette réorientation-là. J'ai vraiment découvert un milieu et un, et un domaine d'études où la seule chose qui compte, c'est l'acceptation de chacun dans sa singularité. Et ça, pour moi, en fait, c'est le message de base de tout chrétien, c'est accepter l'autre comme il est, pas comme on aimerait qu'il soit. Et pour parler de mon cheminement de foi, qui a commencé du coup dans, à, à, grâce à cette école euh, If Europe. Alors, l'IF Europe n'est pas du tout euh, euh, chrétien. Enfin, il n'y a pas du tout cette volonté-là d'amener les gens vers la foi chrétienne. Mais dans l'association dans où j'avais été amené à aller dans les quartiers nord, c'était une association catholique c'est une association qui vit 24 heures sur 24 du coup dans les quartiers nord de Marseille qui sont des quartiers dits difficiles mais après qu'est-ce qu'on met le, dans le mot difficile en tout cas c'est des, des quartiers assez pauvres donc quand il y a de la pauvreté forcément bah il peut y avoir plus de, de, de problématiques euh, mais en fait dans ces quartiers-là moi j'ai découvert la chaleur humaine j'ai découvert le partage j'ai découvert euh, ouais cette gratuité-là de la rencontre cest à des personnes où on vient sonner chez elle et on, a à, à on est invité à faire l'Aïd, on est invité à manger un, un couscous à, alors qu'on est arrivé à 22h pour, euh, pour leur apporter un meuble. Enfin, c'est cette gratuité-là que moi, j'avais pas du tout dans, dans les quartiers où j'étais, où chacun vit sa petite vie de son côté, mais où il n'y a pas de rencontre pas de partage, où les gens se regardent à peine, se disent à peine bonjour. Dans ces quartiers-là, il y a cette chaleur humaine qui est, euh, qui est transcendante dans le sens où euh, ça, ça élève. Ça élève parce que on a oublié, je trouve, dans nos sociétés occidentales l'importance du relationnel. Et moi, dans, dans ce quartier-là des, des lauriers, j'ai vraiment retrouvé ça, la, la beauté de la relation. Et surtout de me rendre compte que l'image qu'on véhicule dans les médias, l'image délétère que nous diffusent les médias sur les quartiers défavorisés, en fait, elle est extrêmement éloignée de la vérité. C'est-à-dire que oui, il y a de la violence, oui, euh, il peut y avoir du trafic de drogue ou autre, mais en fait, ça, ce ne sont que les conséquences du rejet et du mépris de la société et de ces quartiers-là. Et euh, en fait, moi, l'invitation que je fais à chaque personne, c'est de se dire, enfin, si, n'importe qui... Qui vit dans ces quartiers-là a beaucoup plus de chances de tomber dans le trafic ou dans la violence que dans un quartier aisé. C'est une certitude, parce que quand on passe tous les jours devant un guetteur, quand on se rend compte que la personne qui est sur une chaise à guetter la police qui arrive pour le trafic gagne plus que son père qui travaille pour un travail de, 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 de misère en tant que vigile ou en tant que, que technicien de surface, et bah, évidemment, en fait, que c'est très compliqué de se dire je vais aller travailler à l'école, surtout que derrière, bah, à l'école, bah, il va peut y avoir de la discrimination, il y a de la discrimination à l'embauche derrière. Donc, en fait, c'est des jeunes à qui on, en fait, la société fait entendre qu'ils n'ont pas leur place. Donc, évidemment, quand on a l'impression qu'on n'a pas sa place, bah, c'est beaucoup plus difficile de se dire, bah je vais bien travailler à l'école, puis je vais avoir un beau métier, sachant que ça va être plus difficile à cause de, du lieu d'où on vient, à cause de notre origine, à cause de notre prénom. Enfin, donc, il y a quand même ça qu'il faut avoir en tête. Et moi, euh, derrière euh, le masque un peu, un peu rebelle, un peu violent de certains jeunes. Moi, j'ai trouvé des jeunes avec une, un besoin d'être aimés, avec vraiment ce ce, ce ce regard qui disait aimez-moi en fait, aimez-moi. Et, et moi, j'ai vraiment, euh, je me suis vraiment laissé euh, ouais aller dans la relation avec ces jeunes-là. J'ai fait du soutien scolaire avec eux, pas mal d'activités de rue. Et c'était des moments de, de pur partage et c'était juste ouais juste magnifique. Et moi, je pense que c'est c'est un des plus beaux moments de ma vie, vraiment. C'est un des plus beaux endroits de ma vie, Marseille, où, où c'est une ville qui, est, qui vit. Une ville où il y a plein de cultures, plein d'origines, plein de milieux, différents, où les gens se mélangent. Et ça fait un bien fou, en fait. Ça fait un bien fou de, de, de voir ce mélange-là culturel. Et euh, moi, à ce moment-là, je me disais quand même, mais... Euh, moi, j'étais assez en rejet de ce que, de ce que les gens de l'association catholique dans laquelle j'étais euh, vivaient. C'est-à-dire que moi, la, la prière, ça ne me parlait pas. Je trouvais que croire en Dieu, c'était un peu infantilisant d'aller mettre un, un mot humain sur quelque chose d'aussi grand. Moi, à ce moment-là, je croyais en l'âme du monde, euh, suite à la, un livre de Frédéric Lenoir, qui est un de mes auteurs préférés et, et qui est qui une croyance un peu universelle. Euh, l'âme du monde, ce serait ce qui régit et ce qui est en toute chose donc on n'est pas très loin de, de de la croyance en Dieu mais en tout cas à ce moment-là moi j'étais plus à l'aise avec ce mot-là parce que je me disais si je mets le mot Dieu je rentre dans la sphère catholique et j'ai pas envie d'être d'être enfermé dans quelque chose donc je, je vivais les temps de prière ce qui, parce que dans cette association-là il fallait on était un peu obligé de les vivre mais j'étais pas à l'aise du tout et je me sentais pas ouais pas du tout à, appelé à, à ça et à un moment donné j'ai eu une discussion avec une une jeune bénévole de cette association qui qui m'a dit mais tu dis que c'est pas pour toi, euh, mais en fait, en quoi tu crois Et en fait, donc euh, je lui parle de l'âme du monde, mais et donc elle me pose des questions et au bout d'un moment, je me dis mais c'est vrai quand même. Euh, elle, elle me disait mais en quoi t'as foi Et en fait, je m'étais jamais posé cette question. En quoi j'ai foi Et là, je me suis mis en fait à voilà à élaborer en fait à me dire mais en quoi j'ai foi ben, j'ai foi en l'humain, j'ai foi en la vie, j'ai foi. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, mais en fait j'ai envie d'avoir une foi moi aussi. J'ai envie d'avoir confiance en quelque chose, mais Vraiment une confiance, pas simplement intellectuelle, une confiance où on se laisse aller dans, dans quelque chose de qui nous porte, en fait. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais attends, c'est vrai est ce qu'elle me dit, comment je peux critiquer ce en quoi elle croit alors que je ne me donne même pas les moyens de, de, de vivre ce qu'ils vivent Et à ce moment-là, je me suis dit, bah vas-y, il faut que je me donne les moyens à nouveau de ressentir et comprendre ce que vivent les personnes croyantes ou catholiques. Et je me suis mis à faire tous les temps de prière, à aller à la messe, en me disant, Peut-être que je ne vais jamais croire en Dieu, mais au moins, je me serais donné les moyens de savoir ce qu'eux vivent. Et euh, bah, en fait, bah, je me suis pris au jeu. Alors, euh, je ne ressentais pas quelque chose de dingue, mais je trouvais ça positif. Je trouvais que c'était des, des chants qui étaient beaux, ça parlait d'amour. Moi, j'étais quelqu'un qui était en quête d'amour, qui, qui voulait être aimé, qui voulait aimer. J'étais tellement manqué de ça, de, de, de cet amour-là inconditionnel, que, que j'étais j'étais dans cette quête-là d'amour, d'un amour vrai. Et à partir de, cette, de ce moment-là, dans cette association-là, je me suis mis à vraiment commencer un vrai cheminement de foi. Euh, je suis allé à, à Lourdes avec cette association-là quelques mois après, avec euh, donc, tous les bénévoles, des personnes du quartier, des sans-abri. Euh, donc aller à Lourdes quand on est non chrétien, c'est quand, quand même une expérience. J'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai fait le euh, chemin de croix, j'ai fait euh, les bains. Alors, ça me parlait pas vraiment, mais je, je me disais, voilà, je, je veux vraiment, j'étais vraiment habité par cette volonté-là de me dire, mais il faut que j'arrive à faire tout ce qu'il faut. Et si jamais ça marche pas, bah, ça marche pas. Et à Lourdes, en fait, c'était assez incroyable comme expérience parce que je voyais des gens amputés, des gens handicapés, des... avec le sourire. Et je me disais, mais c'est quand même assez fou ce qui se passe là. Il y avait quand même quelque chose, je me disais, ah ouais, en fait, quand la vie est tellement dure, la seule chose en fait qui peut redonner le sourire, c'est une croyance en fait en, en quelque chose au-dessus de nous, quoi, en Dieu, en voilà, quel que soit le mot qu'on mette dessus. Pour moi, on croit tous en la même chose. Mais, mais je me disais là, là, il y a vraiment un truc euh, à faire parce que dans ma tête, je me disais mais il y a des situations de vie en fait où on peut plus être heureux. Et en fait, là, je voyais des gens qui avaient le sourire, qui étaient heureux d'être là. Et je me disais mais ouais, ça, ça vient me chercher quand même. Et en repartant de, de cette association là, donc en juin. J'avais pas fait cette, ce déclic-là au niveau de, de Dieu, j'étais content d'être venu, j'étais content de ce que j'avais pu voir, je trouvais ça très beau des personnes qui arrivaient à se dire qu'elles allaient vivre 24 heures sur 24 dans des quartiers euh, euh, populaires parce qu'elles se disaient animées par cette volonté-là d'aimer inconditionnellement l'autre, mais voilà, j'avais pas ce déclic-là, je me considérais pas comme croyant. Euh, J'avais quand même demandé au vicaire de Marseille d'être mon père spirituel, alors que j'étais pas croyant. Je lui avais dit, je lui avais dit, je, je suis pas croyant, je crois pas en Dieu, mais j'aimerais bien que vous m'accompagniez dans mes cheminements euh, spirituels. Donc il avait accepté, donc je suis ravi qu'il soit encore euh, mon père spirituel. Et euh, quelques semaines après ça, j'ai eu euh, un été très compliqué. Mes parents venaient de divorcer, un divorce extrêmement difficile, euh, de guerre de tranchées. C'est-à-dire euh, vraiment pendant un an, euh, ça a été. Euh, extrêmement violent, beaucoup de beaucoup d'insultes, beaucoup de coups bas, beaucoup de bah, quand l'amour se transforme en haine, c'est souvent euh, c'est souvent extrêmement violent et quand les enfants sont au milieu avec cette forme d'obligation implicite de prendre parti, euh, c'est très violent à vivre, vraiment très violent à vivre et l'ambiance était tellement violente à la maison qu'en fait je, je me suis dit euh, il faut que je me retrouve, il faut que que je prenne du temps pour moi et je me suis dit il faut que j'aille faire une semaine de retraite en silence. Alors, je parle mon mot retraite, j'avais dit une semaine en silence, que j'avais entendu parler de ça dans l'association, je me suis dit, ça me tente bien quand même. Moi, j'ai un ami où on ne fait pas du tout ce genre de truc, mais je me suis dit, ça me tente quand même, ce silence-là, j'ai envie de retrouver du silence. Et j'avais cherché un peu des choses athées pour faire des semaines en silence, mais évidemment, il n'y avait rien, c'était que des trucs catholiques. Et je me suis retrouvé à, à aller à la flatière, euh, donc à trois heures de route de Grenoble, euh, moi, non-croyant, qui me considérait non-chrétien, Donc, euh, je vais faire une semaine de retraite où je m'étais dit... Euh, moi, je vais pas pour les temps de prière, je ne ferai pas les temps de prière, je veux juste être en silence, qu'on me laisse tranquille. Et en fait, j'arrive, et là, on nous annonce temps de prière, temps de chapelet, temps de vêpres, tant de... Et là, je me dis, les complis, je me dis, mais c'est quoi ce délire Je vais pas faire ça. quoi. Et euh, je vais dire à la Dame de la Queue, moi, je ne peux, je peux pas rester, en fait. Elle me dit, non, mais vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de faire les temps, mais je vous conseille d'aller voir le Père Hébert, qui officie cette semaine de retraite. Il est bon avec les personnes comme vous qui sont dans un désert spirituel. Et bon, amusé par la formulation de sa phrase, j'ai pris contact avec, euh, avec ce prêtre-là et ça a été euh, une rencontre incroyable. Un gars avec un humour... Moi, je disais que c'était euh, l'humour de Louis de Funès dans le corps de Coluche. C'était euh, vraiment un personnage, quoi. Un personnage, quoi. Et tout de suite, il a réussi à cerner, en fait, la personne qu'il avait en face de lui, un, un petit gars têtu... Euh, qui euh, parlait d'amour inconditionnel, mais en même temps qui voulait pas euh, croire en Dieu ou être chrétien. Et en fait, toute la semaine, il m'a un peu travaillé au corps. Il m'a, par des petits pas, donc d'abord, il m'a dit bah, Viens au, au temps d'enseignement de, que, que je donne. Donc, avec... Euh, il faisait plein de blagues, plein d'humour. Donc, moi, je me retrouvais totalement dans sa manière de faire. Puis après, il m'a dit Viens à une veillée. Donc là, je suis allé à une veillée de guérison des malades. Donc, moi, ça me parlait pas. Euh... Mais quand même, j'étais intrigué. Ces gens qui venaient se livrer sur ce qu'ils vivaient d'extrêmement difficile, tous les gens qui priaient autour d'eux, je me disais. Mais ça me parle pas mais c'est quand même beau hein. et euh, en fait à ce moment là il y a le prêtre qui, donc euh, Père Hébert qui est venu faire le, avec le Saint Sacrement le signe de croix sur les personnes et à un moment donné il me voit, il ferme les yeux il fait le signe de croix et j'ai comme une sensation de chaleur qui me traverse exactement la même sensation qu'à l'accident de voiture et là je, je me dis mais qu'est-ce qui se passe quoi, qu'est-ce qui est en train de se passer, et donc ça me travaille ça me travaille, je reprends du temps avec lui pour discuter, donc c'était une semaine dans le silence mais j'ai quand même beaucoup parlé avec lui <laughs> Et en fait, au fur et à mesure de la semaine, donc, euh, je fais des petits pas, des petits pas. Puis euh, la veille en fait de la fin de la semaine, toujours pas de déclic euh, fondamental sur, sur ma croyance. Et il me dit Olivier, j'ai un dernier engagement à te proposer. Si tu fais celui-là et que Dieu ne vient pas te chercher, euh, voilà, je, je comprendrais que tu ne veuilles pas aller plus loin, mais je ne vois pas comment il ne peut pas venir euh, te chercher après euh, tous les efforts que tu as fait pour, euh, pour lui pour ouvrir tes bras à toi également. Et il me dit, euh, tu vas venir euh, ce soir, il y a une veillée, euh, une veillée d'adoration. Et là, je lui dis direct non, non, non. veillée d'adoration, j'avais entendu parler de ça dans, dans l'association, un truc où on, dans ma tête, je me disais, je, vais, je lui ai dit, je lui ai dit, je vais pas rester toute une nuit à regarder un bout de pain dans une dans une statue en étoile, hein. <laughs> j'ai envie de dormir. Hein. Il m'a dit Olivier, Olivier, si jamais tu es réveillé inexplicablement dans la nuit, je te demande de venir dans la chapelle et euh, je te prête ma Bible, tu ouvres ta Bible, et tu penses à deux mots avant de l'ouvrir, et si ces deux mots sont sur les pages, c'est que Dieu vraiment euh, est impatient de te trouver. Et je lui dis, oui, bah, si vous voulez, mais de toute façon, je ne me réveillerai pas, je suis crevé, euh, je ne me réveillerai pas. Et donc, euh, je vais me coucher, quand même, j'arrive pas à allumer de rien, je me dis, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'être réveillé Et en même temps, je me dis, mais si je ne suis pas réveillé, ça veut vraiment dire qu'en en fait, il n'y a rien, et que j'ai fait tout ça pour rien, en fait. Et donc, j'étais tiraillé. Je me disais, ce que, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dors pas? Comme ça, je suis sûr de pas être réveillé. Est-ce que, et donc, euh, dans ma tête, je me disais, bon, allez, on, on y va, on tente. Et donc, euh, je commence à m'endormir. Et là, assez inexplicablement, dans ce moment-là, en fait, on, quand on commence à s'endormir, ce moment d'endormissement, en fait, cet état un peu second, j'ai cette image-là de moi complètement recroquevillé. Et en fait, il y a comme une forme de dézoom. Et en fait derrière il y a une espèce, quelqu'un d'hyper grand avec un visage hyper bienveillant qui me regarde. Et la scène dure quelques secondes et à un moment donné il prend quelque chose de sa tête, il me le pose dessus. Et là j'ai une sensation de chaleur et je m'endors. Et je me réveille. Et là je me dis bon bah c'est l'heure d'aller prendre le petit déjeuner. Et je regarde l'horaire et je vois 2h55. Et j'étais réveillé comme s'il si, comme si était 10h du matin. Et là je me dis non, c'est pas possible je vais quand même pas y aller. Donc je me dis, je me rendors. En fait, j'y arrive pas. Parce que je me dis, euh, non, mais je me suis quand même engagé auprès, de, auprès du prêtre, je peux, pas, euh, je, peux pas, je peux pas faire ça, quoi. Et euh, donc, je me dis, bon, j'y vais, j'y reste 15 minutes, et puis je repars, quoi. Donc, Je prends la Bible, je sors en tongs, en short, euh, le seul non-croyant de la retraite à 3h du matin, euh, avec, sa, <laughs> avec sa Bible sous le bras, la scène était quand même assez comique. Et j'arrive dans la chapelle, je me dis de toute façon je vais être tout seul, donc si je m'endors c'est pas bien grave. Et là jour, je vois trente personnes euh, à genoux devant euh, ce qu'ils appelaient le Saint-Sacrement. Et là je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce délire quoi. Et je vais me poser euh, au fond de la chapelle. Et j'ouvre la Bible et avant je me dis les deux mots ça va être foi et amour. J'ouvre la Bible, aucun des deux mots. <laughs> et là je me dis bon bah il être pas être si impatient que ça de me voir <laughs> Dieu. Et puis je, je me laisse aller quand même dans la lecture et c'était le passage avec Simon de Sirène où Simon de Sirène aide le Christ à porter sa croix. Et je suis touché en fait par ce passage. Je suis touché, c'est-à-dire que j'avais déjà essayé de lire quelques passages de la Bible mais ça me parlait pas, je me disais c'est un texte écrit par les hommes pour les hommes, ça ça me parle pas. Et puis euh, je me laisse aller dans ce passage-là qui qui est magnifique en fait parce que c'est vraiment une personne qui n'était pas du tout croyante à la base, qui, qui clame après l'innocence de Jésus, après l'avoir aidé à porter sa croix, après s'être abaissé à, à, son, à sa souffrance. Donc je reste à lire 15, 20, 30 minutes la Bible. Je me sens bien, mais euh, pas de déclic. Je regarde le, le Saint-Sacrement, j'arrive pas à y voir autre chose qu'un bout de pain. Puis je repars. Puis je me dis, bon, voilà, est-ce que ça valait vraiment le coup de cette levée? je m'endors, et le lendemain matin, je sais pas l'expliquer, j'ai comme une sensation qu'il y a un truc qui s'est passé. J'ouvre la Bible, je tombe sur le mot Jésus, et là, je m'effondre en larmes. Complètement. Complètement. C'est-à-dire que pour moi, c'était plus un nom parmi tant d'autres, c'était plus un homme parmi les hommes, c'était vraiment l'incarnation de l'amour inconditionnel de, de Dieu pour nous. J'avais plus de doute sur Dieu, j'avais plus de doute sur le fait que j'étais aimé inconditionnellement et que je me devais d'essayer d'aimer inconditionnellement toute la création. Et c'était euh, juste incroyable parce que c'était moi qui avais tellement, tellement tiraillé parce que j'avais cette peur-là de me dire mais si je crois en Dieu, euh, je vais m'enfermer dans une religion, je vais me sentir euh, en, ouais, limité, euh, bloqué dans ma possibilité d'esprit critique. Et là, en fait, c'est comme si toutes ces barrières-là sont tombées. Ça n'a pas changé les convictions que j'avais, les valeurs que j'avais, mais par contre, ça m'a permis en fait d'avoir de, de, cette conviction profonde que j'étais aimé inconditionnellement. Et ça, ça a pas de prix. Ça, ça a pas de prix. Et donc j'ai fini cette semaine de retraite là, et ça a été le début de de gros pas derrière que j'ai posé parce que cette nouvelle croyance là en Dieu, en l'amour inconditionnel, en, dans le fait d'être aimé, m'a invité à pardonner, à ma harceleur. Donc j'ai recontacté cet ami là qui m'avait Trahi entre guillemets en, en sixième, je l'ai revu. On a pu échanger. Il m'a demandé pardon. Ça a été un super beau moment. Je pense que j'aurais jamais pu le faire sans cette croyance-là en Dieu. Que, que lui aussi me regardait et que, et que voilà, je, je faisais ça aussi pour lui prouver que bah je voulais aussi avancer sur ce chemin-là de pardon. J'ai réussi à mettre fin à certaines addictions très toxiques comme euh, à la pornographie. J'ai une grosse addiction à la pornographie. Euh, j'avais un tel mal-être un tel blocage avec les filles j'étais incapable de rentrer dans des relations parce que tant que j'arrivais pas à porter un, un regard euh, bienveillant sur moi-même je pensais que personne ne pouvait m'aimer de manière euh, intime et euh, ça a été un, une, une vraie étape pour moi de, de mettre fin à cette addiction là et ouais ça m'a après je me suis dit voilà je, je, je veux je veux vraiment être chrétien euh, je voulais pas me considérer comme catholique, mais j'étais chrétien. J'allais plusieurs fois à la messe, je faisais les complis tous les soirs, je me faisais mes petites grâces du jour. Euh, je prenais vraiment ce temps-là. Euh, ça, ça a duré pendant vraiment un an. J'ai écrit sur ma conversion. J'ai écrit sur alors conversion. J'aime pas forcément ce mot-là parce qu'il y aurait cette idée-là euh, euh, d'un passage d'un mauvais état à un bon état. Là, c'est plutôt d'une rencontre à Dieu, d'une ouverture de cœur. C'est vraiment ça pour moi ce que j'ai vécu, une ouverture de cœur. Cette ouverture de cœur-là, elle m'a aussi permis de, de mettre des mots sur mes mots MAUX. Euh, je me suis lancé dans la rédaction d'un récit sur tout ce cheminement de foi, sur ma vie en général, parce que c'était très compliqué pour mes amis de l'époque, pour ma famille, de comprendre ce que j'avais vécu. Je, en quelques mois, j'étais passé d'un athée convaincu euh, mal dans sa peau à un jeune croyant chrétien euh, heureux de vivre. C'était compliqué en fait pour les gens d'arriver à comprendre ce qui se passait. Moi, mes amis étaient plutôt anti-religion, anti-croyance. Donc les gens comprenaient pas. Et je me suis dit, le seul moyen, et ça c'est une phrase de Christine Angot, qui disait euh, Écrire, c'est le seul moyen euh, de dire sans avoir à expliquer. Et c'est vraiment ça. Euh, le livre, ça m'a permis en fait de, de le donner aux gens et les gens de. de voilà, que ça fasse résonance sans avoir cette, directement cette euh, forme de de blocage ou de défense qu'on peut avoir quand, quand on raconte ce genre de récit là à des personnes qui sont pas sensibles à ces, ces questions là euh, spirituelles et euh, ça m'a aussi permis de donner à mes proches et mes proches ont appris le harcèlement scolaire à ce moment-là ont appris euh, bah, mon accident de voiture ils ont tout appris grâce au livre et ça a été un vrai le vrai début d'une autre relation avec mes sœurs, avec ma mère avec mon père en quelque sorte même si ça a été très compliqué après avec mes amis. Ça m'a permis de rentrer dans des relations beaucoup plus vraies. En me livrant, je permettais aussi à l'autre de se livrer. Et en fait, je suis rentré dans des relations beaucoup plus authentiques, beaucoup plus vraies. Donc pendant un an, voilà, j'ai vraiment été dans cette démarche-là à fond pratiquante. J'ai bossé dans la protection de l'enfance pour essayer de porter un regard, euh, un regard d'amour sur ces jeunes-là qu'on ne veut pas voir, ces jeunes-là qui sont invisibles dans notre société, ces jeunes-là qui ont vécu euh, des souffrances euh, psychologiques, physiques de la part de leurs parents. Et euh, j'ai vraiment été marqué par ces rencontres-là. J'ai travaillé avec eux pendant le premier confinement. Donc le premier confinement a été très dur pour moi, parce que je bossais en protection de l'enfant. J'avais mes cours à côté. Euh, J'avais énormément d'investissements et j'ai fini par, euh, par saturer en fait, à, par plus pouvoir le d'être tout seul dans mon appartement sur Angers. De... j'ai fait une première dépression, euh... ouais, de plusieurs mois où qui m'a vraiment en fait permis de, de me rendre compte que même si j'avais accepté d'être aimé inconditionnellement par Dieu, j'avais toujours pas accepté d'être aimé par euh, des êtres humains. Et cette dépression-là est vraiment allée me chercher dans cette problématique-là. Et j'ai vraiment réussi du coup à, à me montrer vulnérable par rapport à mes sœurs, par rapport à mes amis, par rapport à ma mère. Et ça m'a permis en fait d'accepter de, de me faire aider. C'est-à-dire que jusque-là, bah, j'avais pas accepté de me faire aider. J'avais, j'étais très seul, très solitaire. Alors j'avais réussi à faire plein de choses, mais j'étais très seul. Alors j'étais avec Dieu, mais j'étais très seul. Et quand on va très mal, euh, on a beau être le, le même saint François d'Assise a eu des moments où bah, il croyait, enfin il n'y arrivait plus à croire. Et moi, c'est quand dans une dépression, c'est très compliqué de continuer à croire en Dieu. C'est-à-dire que je, je savais que Dieu existait, mais je ne pouvais plus croire qu'il qu portait un regard bienveillant sur moi. Et cette dépression-là m'a vraiment permis de de me dire que j'étais aimé inconditionnellement par mes sœurs, euh, par certains proches, par, euh, par mes amis. Et ça m'a permis de changer aussi mon regard que j'avais sur moi dans des relations euh, intimes et amicales. Et donc j'ai commencé à pouvoir euh, m'ouvrir à des relations euh, sentimentales. Euh, donc moi qui n'avais jamais eu une relation sentimentale, euh, même j'avais jamais dû, dû me retrouver avec une fille à parler tout seul euh, avant mes 23 ans. En moins de cinq mois, j'ai eu euh, trois relations. Euh, dont une qui m'a vraiment euh, énormément porté, la dernière, où euh, je me suis vraiment senti aimé, comme j'étais. Euh, ça n'a pas duré dans le temps, mais en tout cas, c'était vraiment... Euh... Ouais, c'était vraiment beau d'arriver, en fait, à, à se mettre à nu, dans tous les sens du terme. Mais vraiment, cette, euh, de pouvoir faire confiance à l'autre et de savoir que l'autre est digne de confiance. Ça a été vraiment central pour moi parce que j'avais tellement de blocages, tellement de tabous sur la sexualité en plus j'étais en prise avec certaines choses que j'avais pu entendre dans la religion catholique sur la sexualité donc avec tous ces tabous moi j'avais été la seule éducation sexuelle que j'ai reçue de la part de mon père c'est une boîte de capote sur sur le lit à 18 ans et, et le fait que se masturber ça rendait bête donc autant dire j'étais très bloqué sur la sexualité et, et ça m'a vraiment permis bah de 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 me libérer de ce carcan là, de ce tabou là et ouais ça m'a ça vraiment permis de, de, de vraiment ne plus vivre avec des complexes donc là j'ai plus de complexes j'ai pas de tabou c'est aussi pour ça que maintenant j'ai plus de problème en fait de parler de tout ça que ce soit le harcèlement, que ce soit mon addiction à la pornographie euh, j'ai eu d'autres addictions au jeu d'argent euh, avant de, de devenir euh, croyant, enfin voilà c'est des choses où pour moi c'est aussi un moyen de, de, de montrer à l'autre aussi bah, mes failles mes fragilités, mes faiblesses parce que Jésus ne veut pas, Jésus et Dieu ne veulent pas des, des personnes sans défaut. Au contraire, ils veulent des enfants fêlés. Parce que c'est les personnes fêlées qui laissent passer la lumière. Et je pense que c'est vraiment ça dont le monde a besoin c'est de personnes qui qui sont fêlées, parce qu'on les tous fêlés, mais qui acceptent d'être fêlées. Et je pense que c'est hyper important, en fait, que je continue, en fait, à, à ne pas masquer ces par-là. Euh, j'ai encore des moments de doute, j'ai eu une, une grosse étape difficile aussi euh, l'été dernier qui m'a obligé vraiment aussi à aller chercher dans des problématiques familiales, dans des secrets de famille, dans des choses très profondes, très enquistées, très inconscientes. Et je pense qu'en fait la, la vie c'est pas, euh, pas une ligne droite, c'est que des hauts, des bas. Mais je pense que ce que j'ai appris avec ces dernières années, c'est deux choses: la première, c'est que la vie, c'est un continuum. C'est-à-dire qu'on peut pas prendre les éléments séparément. Tout est tout est relié, tout est lié. Et les moments de, de bas ne peuvent servir qu'à permettre de, de, de comprendre certaines choses pour derrière aller mieux. Pour il euh, y a rien pour moi qui est inutile. Même les moments difficiles. Moi, j'ai aucun regret sur mes dépressions. Les deux dépressions que j'ai eues, elles m'ont vraiment permis de de renforcer des bases qui étaient pas stables. Et la deuxième chose que j'ai appris, c'est que même si le chemin est encore euh, Très long, euh, je ne marcherai plus jamais seul. Et dans tout ce chemin-là, en fait, de, de, de rencontre avec l'autre, après m'être retrouvé avec euh, moi-même, après avoir porté un autre regard sur moi-même, j'ai fait des rencontres euh, vraiment hors du commun, dont une qui m'a profondément marqué, euh, avec Jean-Michel Dunant, qui est euh, devenu un ami euh, proche que j'ai rencontré maintenant il y a un an et demi. Je l'ai rencontré lors d'une conférence qu'il donnait à Angers, et j'ai été euh, ouais, bouleversé en fait par euh, l'humilité, par euh, l'amour inconditionnel qui, qui transparaissait de cet homme, qui avait vécu euh, des choses extrêmement difficiles, des exorcismes de la part de certains, euh, de certains prêtres qui voulaient euh, modifier son orientation sexuelle pour le rendre hétérosexuel. Et moi j'écoutais ça et je me disais, mais, mais à quel moment ces gens-là pensent que c'est ce que Dieu nous demande de faire À quel moment on peut rejeter quelqu'un ou... ou vouloir modifier une part de quelqu'un sous prétexte de, de... de l'amour inconditionnel de Dieu Moi je, je n'arrivais pas à comprendre. Et du coup j'ai pris contact avec lui, on s'est rencontrés et ça a été ouais une vraie belle rencontre où on a pu échanger sur tellement de sujets et où c'est vraiment... Une des rencontres qui m'a permis de me dire je suis sur le bon chemin pour moi. Je suis sur un chemin qui me permet de rencontrer des personnes comme ça éclairantes, des personnes qui qui sont des phares en fait dans la nuit, des personnes qui viennent qui viennent nous dire que quand tout s'effondre, quand tout s'écroule, il bah, y a ces personnes là qui sont quand même là et qui qui viennent confirmer que bah aimer l'autre et s'aimer soi. C'est vraiment en fait la seule invitation qui nous est faite dans, dans les évangiles. Et cette rencontre avec lui m'a vraiment aussi permis de me dire que oui, je suis membre de l'Église, je suis chrétien, mais non, je n'accepte pas euh, l'homophobie, je n'accepte pas le rejet de l'homosexualité, je n'accepte pas que des personnes, sous couvert d'amour inconditionnel des personnes homosexuelles, viennent leur dire, je t'accepte, mais pas ta sexualité. Je pense que ces personnes-là ne se rendent pas compte de la souffrance que cela génère et je pense que l'Église avancera lorsqu'elle acceptera tout le monde, non pas comme elle voudrait qu'ils soient, mais comme ils sont. Et je pense que c'est vraiment une cause qui me tient particulièrement à cœur et, et j'espère vraiment que l'Église va réussir à, à avancer sur ces questions-là pour accepter vraiment chacun dans sa singularité. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode dans deux semaines. Si vous pensez que votre témoignage ou celui d'un proche pourrait intéresser les auditeurs de Bethesda, nous vous invitons à prendre contact avec nous en nous écrivant à l'adresse suivante témoignage.bethesda-podcast.fr. Nous vous garantissons de vous répondre avec toute la discrétion nécessaire dans certains cas. Et si vous avez apprécié ce témoignage, si vous voulez soutenir l'effort de Bethesda, qui est diffusé gratuitement, nous vous invitons à faire un don sur le lien de paiement en ligne indiqué dans le descriptif de cet épisode. Bethesda doit être diffusé au plus grand nombre. Il doit être gratuit. C'est pourquoi nous appelons ceux qui le veulent et qui le peuvent à nous aider à supporter les coûts de production et de diffusion. Bethesda, c'est une petite équipe indépendante, pleine de bonne volonté, mais une équipe qui n'ira pas loin si elle n'est pas aidée. Alors d'avance, un grand merci à ceux qui feront un don. Il n'y a pas de petits montants. Il n'y a que des beaux gestes. À très bientôt.